Je sais pas. On n'a pas su, on n'a pas su garder l'intensité qu'on avait mise tout au long du match. Enfin, 60 minutes. C'est décevant. C'est vraiment frustrant parce que je pense qu'on est venu avec un bon état d'esprit. Je pense qu'on s'est tous fait mal. Il n'y en a pas un qui a triché. Et franchement, c'est frustrant de rien ramener et de finir le match comme ça, quoi. Il y a de la déception, il y a de l'abattement. Quel sentiment tu mets sur ce que tu éprouves là? Non, pas d'abattement. Non, non. Il y a beaucoup de déception. Énormément même, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on gagne les matchs à l'extérieur. Il va falloir qu'on fasse des meilleures performances à l'extérieur. Mais pas d'abattement, parce que voilà, comme je dis, on fait quand même un match correct. Au moins dans l'engagement, on a mis l'engagement, on a mis des ingrédients pour faire un bon match à l'extérieur. Après, c'est un peu comme là, ces derniers matchs à l'extérieur, les 20 dernières minutes où on lâche un peu. Mais bon, c'est faut pas lâcher. Et de toute façon, on lâchera pas parce qu'on n'est pas loin, quoi. Des regrets aussi par rapport à votre inefficacité. Vous avez beaucoup souffert en première période, des occasions manquées. Ouais, il y a plusieurs moments clés dans le match où je pense qu'on les a manqués, un peu sur des détails. Et c'est ça qui peut faire basculer un match. C'est pour ça que bon, je pense pas qu'on soit abattu parce que voilà, si ces petits détails ils vont dans notre camp, ils vont en notre faveur, je pense que on peut avoir un tout autre résultat. Et donc bon, voilà, je pense qu'on peut retirer des choses positives de ce match aussi, même si bon, le résultat à la fin voilà, est très décevant, mais bon, tout n'est pas à jeter. Qu'est-ce que vous retenez de positif? L'engagement, comme je dis. Franchement, sur notre ligne, plusieurs fois, ils sont venus, on n'a pas lâché. Ça montre que voilà, on a un bon état d'esprit et que voilà, l'équipe se crée au fil des matchs. Et c'est, voilà, c'est ça qu'on peut retenir positif. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas se satisfaire de ça. Est-ce qu'il y avait un risque d'avoir un sentiment de lassitude avec ces matchs à l'extérieur où boum à chaque fois, vous êtes dans les coups et boum à chaque fois, vous revenez sans bonus, sans rien? Après, si on commence à être lassé alors que ça fait 2 mois de championnat, 3 mois de championnat, non, c'est pas de la lassitude, c'est la frustration, voilà, beaucoup de frustration, mais c'est bien. On reçoit Carcassonne la semaine prochaine, on va garder ça et essayer de le ressortir vendredi soir à la maison. Et bon, c'est comme ça. On savait en venant ici que ça allait être dur. On ne nous donne pas les matchs. Il faut aller les chercher. Et voilà, la preuve aujourd'hui qu'il faut un petit peu plus pour gagner les matchs à l'extérieur, surtout en Angoulême.